Je suis sexy là quand même. Ah oui, ça c'est la plus belle là. Je suis la plus belle là. Ah oui? C'est gentil de me faire des compliments. Eh, mais on peut aller se mettre autour du feu de camp, on aura plus de bel air que rester debout. Oui. Oh, c'est trop cool. C'est tout mimi. Moi qui adore les cœurs. Moi j'adore ça aussi. Merci. Mon cœur dit lui de passer une chemise. Il me fait de la peine avec son tatouage. Je sais pas demander de regarder par dans son nez, elle aime peut-être bien pour ses muscles. Ah ouais, c'est vrai. Ah. D'accord. C'est vrai qu'il est pas mal quand même. On est bien ensemble. Oui, oui, c'est vrai, on est bien ensemble. J'en suis à ma troisième copine. T'as donc quelqu'un alors? Pour l'instant, mais ça va pas durer. Toujours l'heure d'aller chercher. Tu peux pas trouver un gars qui est tout seul. Non, faut toujours que tu ailles chercher des gars qui soient avec quelqu'un. C'est vraiment qui les attire. Hein. C'est eux qui viennent me parler et qui craquent. J'en peux rien. Tu viens, pays. Ah, où c'est Naila? Moi j'ai un problème, je suis coincée, j'arrive pas à arrêter de voler. Ben des corps quoi. Putain, j'ai rien qui fonctionne. Bon, ben je reviens. Hein. Alexis, enlève-toi de là. Enlève-toi derrière moi. Une robe de princesse. Ah ouais. Hé, hey, ma grand-mère, elle a... me sentirait bien. Fais gaffe à ce que tu dis. Va faire... faire cuire les pâtes, c'est ta faim. Hé, hey, tu fais des pâtes aussi? Mais voilà, j'ai trouvé. Mais quoi, c'est joli, c'est coloré, c'est... Ça fait pas un gros cul. En plus, elle est pas vraiment chère. Ouais, elle est pas chère. Elle a 650. Mmh. Ouais, rien. Mais c'est pas cher. Non, une chère, c'est à partir de 1000. Ah, une robe de mariée. Mais ça, c'est pas une robe de mariée, ça. Crayon. Utilise cet outil pour dessiner. Et j'ai regardé les photos de toi avec tous tes ex, maman. Quoi? Il y en a un. Bah, toi non, peut-être. Attends, ce dernier temps, il y a eu Coquin, il y a eu Chris, il y a eu Tantric, il y a eu... C'est tout, c'est tout. Il y a eu Alpha. Et Alpha maintenant, c'est tout. C'est tout. C'est pas parce vous que... Vous n'avez pas mais... un autre? Oui, mais vous me faites tous rire, vous. Parce que je danse un slow avec quelqu'un, directement, je suis avec. Et puis, je couche pas avec tous, hein. Ça y est, encore une qui s'imagine que j'ai 50 000 hommes. À part ça, tu ne te prends pas la tête. La vilaine. Le nombre de gars qui sont là, je vais dire, pour le cul, c'est atroce. Hein. Ah ben ça, il y en a beaucoup. Tu sais, moi avec mon voisin, c'est juste pour se faire des filles, et puis basta, c'est tout quoi. Bon, tu peux échanger des bisous, tu peux échanger des, je veux dire, des petits câlins comme ça, oui, mais quand y a plus, il y a quand même un temps à attendre. Voilà, il faut apprendre à connaître la personne, tout ça, quoi. Tu sais, moi, j'ai été mariée 6 mois sur SL et bon, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais bon, ça s'est super bien passé. On a vécu comme un vrai petit couple marié, mais SL, virtuel. Ouais, bah oui. Je sens qu'en fait, il est intéressé, mais il n'a pas l'air de vouloir se décider, en fait. Donc, on laisse le temps. Ne lui force pas la main. Mais je force pas. Mais non, mais laisse-le venir. Bah oui, t'inquiète.
Un slow, d'accord, mais t'iras pas plus loin, il va comprendre. Mais bon, le problème, c'est qu'on se laisse vite embobiner dans des cas comme ça. Tu danses avec, ça va. T'arrives au point de l'embrasser. Le gars peut interpréter ça, voir tout de suite, ah, ça y est, on est ensemble, je suis avec elle et tout ça, tu vois. Je ne le connais pas, donc je vais rien dire là-dessus, mais je ne le connais pas. Oui, tu ne le connais pas non plus, c'est le premier jour que tu le vois. C'est ça, c'est délicat, mais pour moi, il y a quoi c'est rien, vrai que ça. C'est vrai que bon, ça fait peur. J'ai très peur parce que je me dis ouais, mais si je me remets avec, si ça foire encore. Moi, je sais que quand je me suis séparée de Chris, par exemple, j'ai pleuré pendant 3 jours parce que ça me faisait mal d'être séparée, qu'on s'entendait bien, on s'aimait bien, c'était super bien. Il allait rechercher dans le jeu, en fait, ce que le réel ne lui apportait pas. C'est pour ça que j'étais sa femme. C'est vrai, c'est... Et t'étais la mienne aussi. Ah, mais attends, je suis en réel. Il y a des moments où ça coince. Hein. Bah oui, mais ça c'est de ta faute aussi. Ah bah ouais, c'est de ma faute. Bah c'est, ouais. C'est toujours de ma faute. Au début, qui c'est qui a commencé? C'est bizarre, quand t'en parles à moi, tu dis que c'est de ma faute, et quand t'en parles aux autres, tu dis que c'est de la faute à lui. Si toi t'avais pas commencé au départ en lui demandant s'il attendait ton consentement pour me faire des câlins, ben ça n'aurait peut-être pas été comme ça. Pour moi, il dépassait la limite. Ça... On sait pas prévoir ce truc-là. Hein. C'est quand on a le nez dedans qu'on s'en rend compte. Hein. T'as commencé à chercher à te caser avec quelqu'un. T'es resté longtemps avec Chris, ça a cassé. Maintenant, tu te retrouves toute seule. Tu passes d'un à l'autre et... Directement, je danse avec un gars, je suis avec le gars. Non, c'est pas sur le fait que tu danses avec l'un à l'autre. Tu t'accroches à eux. Mais c'est pas pour autant que je me cherche à me caser avec tous, hein. Mais si, mais t'es malheureuse quand t'es toute seule. Maman, okay. Mais ne joue pas avec. Mais c'est comme il faut, tu m'énerves. Tu veux là. Celui-là. C'est à quoi? Celui-là, c'est à quoi? Que je te vide l'assiette sur la tête. Je sais pas s'il est bon. Quand tu manges. Pascal. Quoi? J'ai pas fait. Tu manges ça, tant pis pour toi. Maman? Oui? T'es trop gentille. Papa aussi, t'es gentil. Toi, t'es gentil si tu vides ton assiette. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais mine. Tu vas mine? Ah ben si tu vas mine, je vais bien. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ben je m'ennuie là, je tourne en rond. Moi je regarde si Brit est connecté. Moi j'ai Brittany qui me dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, plus que tout. Elle fait quoi elle dans la vie? Bah, coiffeuse, à son compte. Tu sais qu'elle a 4 enfants. Oui, ben alors j'en ai 2. Ça va aller comment, tu crois? Ben ça va aller que si ça passe entre nous, elle veut venir vivre en France. Donc le temps que tout soit en règle, qu'elle fasse les passeports pour ses enfants, les machins, les trucs, et voilà. Ça te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur. Et t'attends quoi? Qu'est-ce que t'espères?
Mais refaire une vie normale, quoi. Putain, j'ai Britannique qui m'attaque. Et qui veut qu'on fait notre mariage en France et tout. T'es quand même très, très, très accroché. Non, mais c'est la seule, tu vois, sur le jeu qui est vraiment restée elle-même, quoi. Malgré que j'ai pris pour une conne plusieurs fois, c'est si différent de l'autre que j'ai rencontré, là, Galine, quoi. Tu t'es toujours fait avoir par des filles qui jouaient avec les sentiments sur SL, c'est vrai. Mais je veux me rassurer que tu t'embarques pas dans quelque chose que tu risques de regretter. Non, non, mais rassure-toi, non, je pense pas, là. Je suis sûr de moi à 100%. Et pour finir, SL, tu vas quoi rester après? Non, non, tu sais très bien ce que j'en pense de ce jeu de nul. C'est quand même sur ce jeu que je me retrouve divorcé. Hein. Tu sais très bien que tout a commencé sur... je veux un ordinateur, on pourra télécharger des musiques, et si, puis un jour c'est, je vais télécharger un jeu, puis un jour, il y a Second Life, je connais pas, je joue, je rencontre un mec. Et puis après, je veux divorcer, toi dégage, et puis je vis ma vie avec. Tu sais, pour moi, ce que j'en pense de ce jeu, il est là que pour les gens qui sont paumés, qui ont un problème. Dans le réel, moi je vois pas comme ça. Moi j'ai un réel où j'ai pas de problème, et je suis sur SL quand même, et tout va bien partout. Tu crois que c'est ça la vie? Mais c'est peut-être pas ça la vie, mais ça me fait du bien de venir. J'ai des amis, moi, là. T'as des amis quoi? Des amis virtuels, Coca? Non, pas que des amis virtuels. T'es virtuel, toi. T'es virtuel? Dis-moi. Ça a coupé. Tu m'entends? Pas possible, ça. Putain, ça me pèle, hein. Mon fils, il a été chiant, hein. 8h30, je les ai couchés. Ça commence. Mais Xena, qu'est-ce que tu fais au fond? Tu te coiffes? Voilà, je me coiffe. Et maintenant, striptease? Ah, mais t'es là, Coca. Ouais. T'es où, Jen? Ah, t'es derrière. Oui, je suis là. Je suis en train de discuter avec Thilo. Tu discutes avec Thilo? Oui, je discute avec Thilo. Attends, mais Karine, c'est la bonne. Il me dit quoi? Ah, tu ne sauras pas. Monsieur, dis-moi. Mais non, je te dis pas. Il me demande à... Non, je te dis pas. Vas-y, si, dis-moi. Non, je te dis pas. Tu me dis. Moi, non. M'en fous, je vous fais la gueule, voilà. Vous avez pas fini, ou deux? Toi, Bilou, tu le tais. Hein? Hein? Et ben voilà. Et voilà, on a trouvé le ch'ti Bilou. Ça va, mon ch'ti Bilou. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se met à poil? T'as fait? Mmh. C'était lui. C'est Thilo. Le jour où je marie, c'est mariage de princesse. Avec l'hôtel, croisière. Je veux l'homme parfait. Moi, je dis que tu vas finir par te faire repérer. Parce que tu fréquentes toujours les mêmes gens et on te voit passer d'un à l'autre et pour finir,
Mais je suis pas avec tous parce que je danse, je suis avec mais eux, non, je couche avec. Mais non, tu danses, on t'a vu avec Tantric, on t'a vu avec Chris, on t'a vu avec Alpha, maintenant on va te voir avec Tilou. Et alors? Et tous ces gens-là se côtoient toujours. Et alors? Bah, rien. Tu m'énerves. Bah, ouais. Va me mettre ça dans ta chambre, Alexis. Sinon, je vais dans la poubelle. Prends les mains et plus vite que ça. Ah, tiens, qu'ils viennent de sortir du fond dessiné. Oh là là. Tu manges pas tout. Non. Bon appétit. Merci. Puis tu peux faire un bisou, moi. Franchement. Il y a déjà longtemps que je t'en ai fait un bisou. Hier. Mais tu me le ferais pas, Stu. Attends une minute. Non, je n'en veux pas. Allez. Je n'en veux pas. On va pas faire basculer le plateau. Je n'en veux pas. Tu fais quoi, con? Bonjour, mon cœur. Bonjour, mon ange. Ça fait mieux, hein. Il est jeune. Il est jeune. Il est jeune. J'ai fini mon cadeau. Oh, tu me récites ta table. 0 1 fois 2 2 2 fois 2 0 Non. 1 fois 2. Tu vas aller me la réviser et tu viens me la réciter après. Fois 2, 4, 3 fois 2, 6, 4 fois 2, 8. Laisse voir tes tables, toi. Faire ta chambre, c'est le bordel. D'accord. Merci, mon cœur, pour le déjeuner au lit. Tu la tiens en laisse. Maman, je la mets où? Elle aussi, elle te tient en laisse, non? Ah oui. Maman, je la mets où, le verre? Viens, on me connaît, là, c'est bon. Vous allez peut-être dès que c'est un vampire. Ah ben, quand tu seras plus grand, tu joueras à Second Life et puis tu joueras au vampire. Tu veux? Mais pour ça, il faut que tu vides ton assiette, hein, oui. Pour grandir et avoir de la force. Je suis encore là, hein, non? Mm-hmm. Je suis pas partie, hein. Et je suis plus avec Chris, donc je vais pas partir, hein. Ah bah, si je me sentais pas bien avec toi, je te lâche, ah bah même. Oui. Je suis sur SL comme je suis en réel. Oui, mais sur SL, c'est facile de passer d'un à l'autre et de c'est sur... clair. C'est clair que je ne passerai pas d'un à l'autre comme ça en réel. En deux minutes, sur SL, tu changes de vie comme tu veux. En réel, c'est pas comme ça, hein. Ah non. Il y a quand même 6 ans, c'est pas rien, et je pouvais pas détruire tout ça pour un jeu en me disant bah ouais, tout compte fait, ça va mieux avec l'autre, je vais aller avec l'autre. Non. Pourtant, si t'avais pas réagi, je crois que je serais partie. Hein. Si tu m'avais dit je te retiens pas, tu peux partir, je serais partie. Hein. Ça, ma décision était prise. Oui, parce que sur le coup, t'étais très mal et t'aurais fait n'importe quoi pour ne plus rester avec moi en fait. Ah là là. Après, il dirait que je ne l'aime pas. C'est un fil à raison. Ouais. Quoi? SL, c'est un jeu de merde quand même. Xen, tu sais la meilleure? Quoi? Eh ben, Steph, hein, eh ben, franchement, il m'a déçu. Il me déçoit. Quoi?
Parce qu'il va arrêter SN. Mais tu sais que je suis là, j'entends. Hein. Comment ça, tu vas arrêter SN? Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Bien sûr que oui, j'ai arrêté SN. Ouais, ben alors, tu vas arrêter SN et puis nous? Moi, je sais pas, au début, quand je jouais, quoi, ça me faisait chier de voir ma femme qui couchait, même si c'est, tu vois, un jeu, même qui couchait avec quelqu'un qui faisait des trucs comme ça, non, vous, non, vous êtes en couple et ça vous dérange pas de... Je vais te dire un truc, je couche pas dans SL. Mais pourquoi? Pourquoi voilà, ça dérange comme pas? Comme ça, c'est clair, ça, je fais pas dans SL, parce que ça, j'en ai ça au réel, voilà. Mais oui, voilà. Mais bon, même si tu le fais, moi je l'ai déjà fait, Fred, il l'a déjà fait aussi. Mais bon, voilà, c'est pas mon trip, ça. Mais même voilà. Si tu fais... Non, mais même si tu fais... du sexe ou d'amour, ou je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, sur SL, ça reste un jeu, c'est pas de la tromperie avec l'autre. Moi je dis, quand deux personnes s'aiment vraiment, et je parle par expérience parce que je l'ai vécu moi, quand deux personnes s'aiment vraiment, rien ne séparera. Parce que moi et Fred, si on ne s'était pas aimé vraiment, je serais partie. Attends, moi je suis désolée, ça fait 13 ans qu'on vit ensemble, c'est pas un jeu qui va nous séparer, hein. Explique-moi, tu passes combien de temps par jour sur ce jeu? Moi, je passe mes soirées dessus. Je vais à la journée. Mes soirées. Mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression que vous passez plus de temps sur ce jeu qu'en réel. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça, t'es sûr? Avant, quand je jouais pas à SL, je passais le temps là, je passais devant la télé. Et Pascal, il jouait à Battlefield Vietnam. Il était tout le temps en train de jouer à son jeu. Non mais Xena, t'as des enfants toi. Est-ce qu'ils te reprochent franchement que t'es plus connecté ou ils te demandent pas, ils te réclament pas souvent? Non. Non, pas plus que ça, non. Mais oui, mais c'est pas non plus parce qu'on a des enfants, et là je parle par expérience parce que je suis éducatrice, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'il faut toujours être à leur cul, hein. Non, laissez-les vivre, les mômes. Oh, faut les laisser vivre. Oh, on va rester à leur cul, on va faire tout pour eux, et puis quand ils auront 16 ans, ils nous diront « Maman, je sais pas quoi faire ». Et ils n'auront pas d'amis parce que tout le monde se foutront de leur gueule, qu'on est toujours à leur cul, qu'on doit toujours tout faire pour eux. Non, hein. Non, ils sont assez indépendants. Travailler l'autonomie quand même, hein. Tu regardes moi, Océane, elle est indépendante, hein. Bon, Alexis fait beaucoup de conneries, mais les petits... Mais peut-être qu'ils font des conneries aussi pour attirer le... Oui, mais il n'y a pas besoin d'être sur SL pour entendre une maman dire « Roy, il me fait chier ». Toutes les mamans ont dit un jour « Roy, il fait chier hein, », parce qu'il est difficile, parce que l'enfant fait ses dents, parce que l'enfant ne veut pas dormir, parce que l'enfant crie, parce que l'enfant va dans les armoires. Tout le monde l'a dit un jour. Moi aussi, des fois, quand je rentre du boulot, je dis « Roy, les mômes, ils m'ont fait chier hein ». Allô? Il n'y a plus personne? Je sais que je l'ai souvent dit, je sais que je n'arrêtais pas de vous dire oui, je quitte SL, machin, patin, confin. Mais là, je compte vraiment le faire définitivement. Pour moi, c'est clair, net, précis. J'ai pris ma décision. Et puis, c'est un moyen aussi pour moi de voir si vraiment avec Brittany, ça va être du sérieux ou pas, si c'est... pour Second Life, qu'on est ensemble. On respecte ton choix, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux te libérer des selles, il faut détruire ton compte. Mais le détruire, comment on fait pour détruire? Ce que tu peux faire, puisque apparemment tu ne maîtrises pas bien l'anglais, tu donnes ton compte et ton mot de passe à quelqu'un qui se charge de te détruire ton avatar. Il faut que tu donnes ça évidemment à une personne en qui tu as confiance. Hein. D'accord. Eh bien, c'est parti. Je demande. Ça va être toi. Oh.
tu as choisi déjà quelqu'un, là, t'as demandé à quelqu'un. Oui, j'ai demandé à Cooker. Tu sais que tu me demandes de faire quelque chose de dur, là. Merci. Moi, je voulais dire, allez, je vais pas mettre d'émotion. Si je dois détruire un compte, je le fais. Mais Cooker, c'est... elle pleure, là. Voilà, là. Bon, pousse-toi un petit peu, que j'ai de la place dans les bras. Oh, frérot aussi. Oh, 5 à la 3. Oh, tous les 3. T'as pris... Oui, une seconde. Excuse-moi, ne me mords pas. Hein. Je t'ai dit d'aller au lit, toi. Putain, regarde, j'écoute rien quand leur père est pas là, je reviens. Plus qu'un clic à faire. Il va nous manquer, le Stéphane. Dans la campagne, c'est pas la fin. C'est pas un enterrement. Bah si. C'est deux petites sœurs qui l'accompagnent. T'es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Oui. Mais moi, je ne vous oublierai jamais, quoi. Bon, j'ai plus qu'à cliquer, là. Je sais pas ce qui va se passer. Il clique. Allez. Bisous, bisous. Bisous. Bisous, bisous. Okay. Les adieux les plus courts sont les meilleurs. Hein. Je clique. Moi aussi, je clique. Moi aussi, je clique. Tout le monde clique. Un, deux, trois.